Juin est ailleurs. Il est une phrase de Heidegger que Juin cite volontiers. Être, c'est habiter. Et lire comme écrire, c'est toujours un peu rentrer chez soi, en squatter, bien sûr. L'amour plus fort que le mal. Le mal plus fort que l'amour. L'œuvre et le nom de Maurice Maeterlinck, né à Gand en 1862, évoque avant tout une atmosphère, écrivait Antonin Artaud. Son œuvre nous envoûte toujours par le sortilège de sa musicalité. Dominique Rollin. Souvent, le destin de l'écrivain est celui de l'inscription de son nom. Comment réaliser, comment habiter son nom ? Bayon, le suicidé, l'indésirable. Bayon, le bâillonné, celui qui ne pourra jamais tout dire. L'éleveur de poules en campine, rédacteur à la dernière heure, il faut attendre 20 ans de soucis pécuniaires et de manque d'inspiration pour voir arriver son premier roman. Moi, quelque part ? Elle seule a pu écrire une phrase aussi simple et évidente que celle-ci. Le goût de l'eau diffère selon les puits. Les poèmes de Marie Gevers chercheront à exprimer cet accord intime de l'être et du monde naturel. Mais c'est dans son deuxième roman, qui est son chef-d'œuvre, Madame Orpha, qu'elle a le mieux décrit cette conjonction inséparable des destins humains et du cycle des saisons. Finalement, quand on retrouve Maigret au cinéma, et quand on retrouve Georges Simenon, il y a une similitude. Alors c'est Simenon qui est Maigret ou Maigret qui est Simenon ? Eh bien, je crois qu'on est de vieux camarades, vous savez, on a passé près de 50 ans ensemble. Alors, maintenant, nous sommes tous les deux à la retraite.